Antoine Bouchel, vous êtes aujourd'hui présent à la journée olympique avec la présence de 750 gamins. Vous êtes un athlète, vous êtes en présence de nageurs dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes un spécialiste du lancement du poids, vous êtes un picard. Comment avez-vous débuté l'athlétisme et plus particulièrement le lancement du poids, parce que c'est quand même assez exceptionnel, hein. Oui, oui. Bonjour. Alors, j'ai commencé tout simplement à l'école, enfin au collège plus précisément, avec mon prof de PS qui s'appelait Freddy Servant, qui est entraîneur et formateur renommé dans toute la France. C'est vrai. Voilà. Et il m'a suivi pendant 11 ou 12 ans. Il m'a amené au plus haut niveau. Et maintenant, je poursuis un petit peu mon chemin. Dans un autre club et avec un autre entraîneur, voilà. Alors, votre premier club, c'est le SC Abil. Tout à fait, c'est aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, vous êtes à la Mia. Oui, voilà. Et aujourd'hui, quel est votre entraîneur? Alors, mon entraîneur, c'est Pierre Aletti. Qui est d'Amiens? Non, oui. Il n'est pas d'Amiens. Il est sur Salon de Provence, dans le sud. Alors, comment ça se passe? Salon de Provence, entraîneur, et puis l'athlète est à Amiens. C'est pas évident. Non, non. Tous les mois, je descends dans le sud. J'ai plusieurs sessions qui sont financées par mon club pour aller m'entraîner avec lui. Je m'entraîne avec lui tous les mois. Bon là, hormis pendant la période de blessure où il a fallu que je mette un petit peu en stand-by tout ça pour prendre le temps de me soigner. Et sinon, tous les mois, je descends m'entraîner avec lui. Et le reste du temps, on s'est en visio. Donc, c'est ça. Voilà, on s'entraîne en visio et on échange beaucoup au téléphone à chaque séance, en vidéo, voilà. Donc, vous n'avez pas trouvé de meilleure solution pour vous entraîner? Quant à présent, non. Il y avait Freddy, mon entraîneur, qui était très bon. Et il y a Pierre Aletti qui est très bon aussi. Oui. Et c'est les deux seuls avec qui je pouvais m'entraîner. Voilà. Alors, vous avez parlé d'ailleurs d'accident, vous avez été victime de blessures, oui, sérieuses même. Oui, une grosse blessure en début janvier en musculation. Sur un mouvement d'haltérophilie où je me suis rompu le ligament croisé antérieur. Donc j'ai été opéré au mois de février, le 7 février. Et depuis je suis en convalescence. Voilà. Mais les choses se font bien et j'espère revenir le plus rapidement possible. Il faut être patient. C'est ça. On est impatient que la fois c'est difficile. Veut retrouver le rythme de la compétition. C'est ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Quand on est 6 mois sans rien faire, parfois c'est compliqué à gérer émotionnellement. On se pose beaucoup de questions, est-ce que je vais revenir au niveau, etc. Mais voilà, j'essaye de passer au-dessus et puis il n'y a pas de raison, j'ai déjà fait, je peux refaire. Vous doutez parfois? Oui. Vous avez douté? Oui. Je doute. En ce moment, c'est une grosse période de doute, mais j'essaye de chasser un petit peu tout ça et de ne pas y penser, de ne pas me poser de questions, de faire ce qu'il y a à faire et on verra ce que l'avenir me réserve. Parce que vous avez un métier aussi, hein, vous n'êtes pas que athlète de haut niveau. Hein. Non, je suis fonctionnaire de police. C'est ça, donc ça vous prend du temps vraiment. Oui. Hein. Alors actuellement, je suis en arrêt, hein, puisque je ne peux pas travailler dans ces conditions-là, avec un genou qui se remet, l'administration préfère attendre que je sois rétabli complètement avant de reprendre le travail. Comment va se passer les semaines qui viennent et quand allez-vous reprendre contact avec la compétition? Moi, je continue à m'entraîner, hein, même depuis janvier. Depuis que je suis blessé, je n'ai jamais arrêté l'entraînement. Il ne fallait pas que je décroche, j'ai continué à m'entraîner de manière importante, même si j'ai levé un peu le pied par rapport à une période où je suis en pleine possession de mes moyens. Mais dans les semaines à venir, ça va être de la rééducation encore. Même si j'en vois le bout, il y a encore pas mal de travail à faire. Et derrière, on a repris la technique depuis un bon mois maintenant. On y va étape par étape. Et la compétition, je pense que je n'y reviendrai pas avant la saison prochaine, puisque la blessure fait que j'en ai encore pour au moins 2 mois de travail. Ça veut dire que les jeux pourraient être, non pas compromis, mais ça va être difficile. Oui, ça va être très compliqué. Il faut être réaliste, ça va être très très compliqué. Hein. Déjà parce que le niveau mondial est hors norme, et puis que j'y étais pas encore, et là en plus avec une blessure, il y a beaucoup de choses qui sont compromises. Et il y a aussi le fait qu'en France, je ne suis pas tout seul à lancer le poids. Il y a des gars qui poussent derrière et déjà. Donc il va falloir que j'essaye aussi de me raccrocher à ce wagon-là. Mais on peut dire que cette consolation, c'est que le département de la Somme aide les athlètes pré-sélectionnés. Et surtout, je pense qu'ils ne vont pas les étendre. Voilà, ils ne m'ont pas abandonné. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très très reconnaissant. J'ai remercié
toutes les personnes du département avec qui je suis en contact. Parce qu'en général, quand un sportif est blessé, c'est la fin de beaucoup de choses. Exactement. Et eux, ils m'ont dit non, on refuse de t'abandonner. Et ils me soutiennent même dans la blessure. Donc ça, je suis très très reconnaissant. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je ne peux que les en remercier. Antoine, on vous remercie d'avoir accordé quelques minutes. C'est pour le site du Comité Olympique. Et on vous souhaite de tout cœur de renouer avec la compétition. Merci. Sachant que ce sera un long chemin. Mais on vous fait confiance. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.